Quelque chose, il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché. Hein. C'est normal. Je crois qu'on n'a pas eu assez. Quand on a eu la possibilité de tuer le match, en première mi-temps, il fallait le faire. Bon, c'est comme ça le football. Hein. Quand on ne le fait pas, ben, on se fait punir. Et on s'est fait punir. Il faut avoir la clairvoyance. Alors, on n'arrive pas encore, moi je trouve totalement à. Encore que là, il y a du mieux par rapport à ce qu'on avait fait contre Strasbourg. On n'arrive pas à enchaîner. Enfin, quand on joue jeudi, enchaîner le dimanche, il faut avoir cette capacité-là, avoir la clairvoyance sur certaines actions. On peut pas. Quand on a commencé ce match-là, moi je voulais qu'on soit très très hermétique. Pas nécessairement qu'on soit à faire le jeu et tout ça. Plutôt à contrer et utiliser un petit peu nos forces pour ça. Et donc moi je trouve qu'on s'est évertué un petit peu des fois à faire le jeu, à jouer un petit peu haut, Et puis ça a été un petit peu préjudiciable, peut-être dans les occasions qu'on s'est créées où on n'a pas réussi à marquer le but. Voilà. Le début de deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé que c'était bien, avec la rentrée de Jimmy, ça a été bien. Et on a retrouvé, là on était mieux équilibré au niveau équipe. Mais bon, ça, il faut durer dans le temps, il faut que ce soit plus long dans le jeu et qu'on utilise ce type d'action plus longtemps dans la mi-temps, quoi. Moi, je pense qu'en première mi-temps, on doit faire un petit peu plus on doit faire mal en première mi-temps. Puis après, bon, on a la possibilité d'attendre un petit peu et de contrer, ce qu'on n'a pas fait. Tout ça, il faut que ça prenne forme. Et puis, c'est du travail, hein, c'est pas évident. Puis on tient compte un petit peu de la Coupe d'Europe aussi, de tous ces matchs-là qui ça. Puis surtout ces matchs-là qui arrivent là tous les 3 jours, c'est une difficulté un petit peu pour nous. On progresse, mais là, il fallait essayer de prendre un point, ça aurait été bien. On ne peut pas parler d'usure, mais nous, on a commencé depuis un petit moment hein, à s'entraîner hein, dur et tout ça. Et donc, tous les parcours qu'on a faits, en plus avec des jeunes joueurs qui ne sont pas expérimentés. Donc, ça veut dire que s'il y a beaucoup d'efforts de donner. C'est pour ça que je faisais couper un petit peu les deux jeunes au début du match. C'est ça qui est difficile. Hein. D'enchaîner des matchs tous les 3 jours avec une équipe qui est mature, bon, c'est un petit peu plus facile. C'est évident, hein. Quand un entraîneur se fait enfin, part comme ça, c'est jamais bien, c'est jamais bien, c'est évident, c'est évident. Donc il y a automatiquement dans la tête des petits trucs, mais bon, ça quand on est sur le terrain, bon, on donne le maximum, il n'y a pas de souci de ce côté-là.